Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais la tourner. Comme vous l'avez vu sur le titre, donc c'est un crash test des produits de la gamme skincare en collaboration avec Révolution et Sally Hedges. Avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Comme ça, vous ne ratez pas mes prochaines vidéos, mes prochains crash tests ou autre. Et puis voilà, on démarre tout de suite. Alors cette vidéo va se passer en deux parties. J'ai pensé à la faire en trois, mais finalement j'en ai fait que deux. La première partie, je vais vous présenter la gamme et les produits que j'ai pris. J'ai pas pris tous les produits de la gamme. La deuxième, on va faire le crash test de ces produits-là. Et puis ça sera tout. Vous allez voir. J'ai voulu faire une troisième partie pour après genre un mois ou quoi d'utilisation. Après, je me suis dit, de toute façon, vous allez les retrouver en produits terminés si c'est un coup de cœur. Mais voilà, je veux plus tarder cette vidéo. Et puis, je vais vous spoiler parce que là, je filme cette introduction après avoir fait le crash test. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis des couleurs pastel. C'est très rare où je fais des couleurs pastel. Tellement je sens mon visage illuminé. Je ne veux pas vous en dire plus. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai sorti ma palette pastel qui est de la marque Révolution aussi. C'est une collaboration avec Niki Lili. Elle est sublime cette palette. J'en profite pour vous la montrer. C'est la première fois que j'utilise. Hein. À chaque fois, je me dis non, ça va pas avec mon teint et tout. Et je voulais tellement la tester. Aujourd'hui, tellement j'ai aimé le rendu des produits. Je l'ai sorti. Donc, j'ai utilisé ce fard-là et ce magnifique fard Mint Chuck Chip Cocktail. Il est très très beau. C'est un joli verre d'eau et pailleté comme ça, lumière. Moi j'adore les fards comme ça. Donc elle est sublime. Pareil, vous la retrouvez sur le site Révolution. Et j'ai fait une découverte également de ce petit quelque chose. C'est un eye bright corrector light, la teinte light to medium. Donc c'est un correcteur de sein. Allez, on refait. C'est un correcteur de teint et du coup il vient combler les cernes, j'ai plus les mots. Il vient combler les cernes et donne encore une brillance. Donc pareil, c'est de la marque Révolution. C'est un nouveau produit, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti. Et je l'aime beaucoup, il est comme ceci. Et j'adore son rendu, tout simplement. Il vient vraiment corriger vos cernes. Trop magique. Donc je vous mets tout dans la barre d'infos et là reste plus qu'à commencer. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est une collaboration avec Sally Hedges. C'est une journaliste et experte en beauté anglaise, donc British. Donc voilà, elle a voulu sortir. Donc le concept, c'est un travail de 2 ans. Hein, j'ai suivi cette gamme depuis sa sortie. J'ai assisté au live de lancement et tout ça. Donc c'est parmi les gammes de skincare qui m'attirent le plus, qui m'ont attiré le plus parce que le concept, c'est un concept minimaliste, d'une routine minimaliste de, je pense, 5 produits. Oui, je vais vous lister. Donc c'est de 5 produits qui sont complémentaires de formule très très simple, une application, un process d'application très très simple. Il est conçu pour les beauty addicts qui sont très débordés, avoir le maximum d'efficacité avec une formule clean et rapide à appliquer. Un esprit minimaliste, que ce soit en packaging ou en application ou en composition. Donc c'était vraiment un vrai challenge et un vrai défi. Et bien sûr, garder un budget moyen pour elle. Il faut pas. Elle a créé cette gamme pour les personnes qui n'ont pas vraiment un budget énorme à dépenser en skincare. Donc, avec un budget moyen, on peut avoir une gamme de produits de qualité. Et je pense
Je vous dis pas plus. Allez, donc c'est une. Je prends mes notes. C'est une routine simple, rapide et efficace pour les beauty addicts débordés, comme je vous ai dit. Et contient 5 produits, 2 nettoyants, un exfoliant et 2 crèmes hydratantes. Ça ne veut pas dire. Elle le dit aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir tous les produits pour avoir l'efficacité souhaitée. Moi, d'ailleurs, moi, j'ai pas pris tous les produits, j'ai pris que 3 produits que je vais vous présenter tout de suite. Cette gamme, elle convient à tous les âges, à toutes les couleurs. Passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que j'ai pris? Je vais vous montrer les 3 produits que j'ai pris dans l'ordre d'application. Alors, pour commencer, j'ai pris un nettoyant. Donc, ce produit m'intriguait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un baume nettoyant. Comme vous pouvez voir, je vous ai dit, c'est très minimaliste et j'adore. Et il est comme ceci. Donc, il y a un petit creux parce que, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait le crash test quand je vous filme ça. Je l'ai déjà utilisé. Donc, voilà. Et comme ceci, je vous lis. Alors, dites adieu aux impuretés avec le baume Butter Clean Makeup Melting Cleaning Balm, un baume riche à la texture fluide qui aide à éliminer la saleté, le maquillage et les impuretés. Je vais pas vous dire je valide ou pas. Les bienfaits sur votre peau. Squalane, c'est un agent hydratant léger et non irritant. Il y a l'huile de graines de carthame, donc c'est un émollient aux propriétés adoucissantes pour la peau. Huile de jojoba, donc on connaît tous les bienfaits. C'est un acide gras oméga aux propriétés adoucissantes pour la peau et les cheveux d'ailleurs. Et l'acide hyaluronique, un super hydratant. Et d'ailleurs, elle a essayé d'introduire l'acide hyaluronique dans tous ses produits. Donc, après, il donne les conseils d'utilisation. Ça, on va le voir après. Donc, venir masser et tout ça. Ça, c'est pour le premier produit. Après, j'ai pris un exfoliant. Alors, c'est un toner exfoliant. Ça m'a paru un peu innovant. C'est un toner et en même temps, c'est un exfoliant et il contient 5 acides. Donc, ça est Daily Exfoliant. Donc, ça m'intriguait. Je pense qu'il y a pas mal de travail pour sortir ce produit-là. Je me suis dit, il faut que je le teste. Moi, l'exfoliant, parce que j'aime pas trop les exfoliants à grains pour le visage. J'aime, je sais pas si vous entendez mon. J'aime que ça, pour exfolier le visage, j'aime bien quand ça soit doux, on va dire. Donc là, c'est un toner et en même temps, donc toner liquide, et on me dit que c'est un exfoliant. Donc je sais pas comment ça marche, mais on verra ça après. Plutôt, je sais, mais. Allez, je vous spoil, finalement, c'est un coup de cœur. Un vrai coup de cœur, je vous laisse voir après. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit sur cet exfoliant? Donc, le Placide 5 Acides Daily Exfoliant est un tonique qui exfolie en douceur, enrichi en AHA, en AHA bénéfique et BHA pour décongestionner la peau pour un effet lumineux et lissant. Mais ce truc, il est dingue. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. D'ailleurs, je ne regrette pas du tout d'avoir. Entre parenthèses, c'est pas une vidéo sponsorisée, hein, petit disclaimer. J'ai acheté ça par mon propre agent, Donc, quand on aime, on ne compte pas. Et voilà. Donc voilà, on a l'acide salicylique qui aide à exfolier et désobstruer et nettoyer les pores. On a de l'acide celui-là, tranexamique, je ne le connais pas. Il estompe les imperfections et unifie le teint. On a l'acide glycolique, il exfolie et renforce l'éclat de la peau. Et l'acide lactique, un exfoliant aux bienfaits multiples. Et un dernier acide, c'est le acide malique. Un exfoliant plus doux aux propriétés illuminatrices, mais un effet illuminateur, mais dingue. Le pronapénédiol et glycérine protègent la barrière cutanée et limitent la perte en eau. Et le dernier acide, l'hyaluronique, un super hydratant. Donc ça, c'est une bombe. Vous pouvez me croire, ça, c'est une bombe et vous allez le découvrir
découvrir après et il faut l'utiliser 2 à 3 matins par semaine, pas tous les jours. Donc ça en ce qui concerne le deuxième produit. Le troisième et le dernier que j'ai pris, mais c'est pas le dernier de la gamme. Must See Sally Ijus Anytime Daily Serum. Alors, ce sérum, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est un sérum Must See Daily Anytime. Est une formule enrichie en vitamine C hydratante et illuminante qui peut être utilisée le matin et le soir. Les bienfaits sur la peau, donc ascorbyl glucoside, alors là la galère pour lire ces composants. Une forme stable avec 15% de vitamine C qui illumine et unifie le teint et fournit une protection antioxydante. Le niacinamide minimise l'apparence des pores, renforce et lisse la peau. Acide hyaluronique, encore une fois, glycérine et propanédiol. Donc ça, c'est pour protéger la barrière cutanée et des antioxydants, acide férulique et vitamine E. Donc pareil, il paraît que c'est une bombe. Et j'ai trop hâte de vous montrer la suite, parce que moi, je la connais la suite. Donc voilà tout, sans plus attendre, sans plus faire de suspense, je vous laisse regarder la suite. Et n'oubliez pas, vous avez tous les produits que j'ai mentionnés, que ce soit ceux de Sally Ijus ou bien de Makeup, ils sont dans la barre d'infos. Vous avez mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir une petite, un petit bonus, je ne sais plus c'est quoi. Mais c'est toujours avantageux de commander sur le site Révolution, gardez ça en tête. Et puis voilà, je vous tarde pas plus. Go, regardez le crash test. Coucou, alors me revoilà dans la salle de bain et va commencer par tester le baume. Tac. Je vais prendre une noisette. Non, l'idée c'est de faire comme ça. Et donc déjà j'ai du make-up, je sais pas si vous le voyez. On essaye de voir si ça s'enlève. Ah ouais! Et l'odeur de spa qui est dégagée, une odeur de soin. Je sais pas, de soin, de savon. C'est très agréable en tout cas, très doux. Et tout est parti. Écoutez, tout est parti. Je sais pas comment ça se fait ce truc-là. Comment ça se fait, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pouvait m'expliquer comment ça se fait? Et la peau est toute douce. Je crois que je suis... je suis fan. Je crois que je suis fan. Donc là, le baume, rien à dire. C'est un coup de cœur. Et l'odeur, et l'odeur, et l'odeur. Après, donc je prends l'exfoliant et on essaie de l'appliquer ensemble. Son paquet, il est comme ceci et j'ai pris un coton réutilisable, donc je viens en mettre une petite dose et je viens appliquer sur le visage. J'en ai mis. Par contre, celui-là, l'odeur n'est pas la même que le baume. Elle est on sent l'odeur de plante. Et plus odeur de plante, et je pense que c'est normal parce qu'il y a 5 acides dedans. Donc voilà, il est facilement appliqué. Après, on laisse la peau l'absorber un peu. Et voilà, donc j'ai laissé quelques instants le temps que ça s'absorbe, mais je sais pas comment vous dire, mais j'ai une sensation de fraîcheur et de clean. Voilà, je sens que ma peau est vraiment clean et lumineuse. Je sais pas si vous le voyez. Je la sens lumineuse en tout cas. Regardez-moi ce toner exfoliant, il est génial. Il y a toute la peau là qui s'enlève. Et du coup, je suis trop contente parce que ça, je me disais d'où vient cette... Et en fait, c'est un toner pas classique, mais toner exfoliant. Du coup, il enlève toute la peau morte. Je suis trop contente. Trop contente. Donc là, je vais enlever tout. Sa peluche du coup et ça enlève toute la peau morte. Franchement c'est super. J'avais zappé le mot exfoliant du coup
Magnifique, magnifique. Donc toute la peau morte, elle est enlevée et c'est très doux, hein. C'est pas en mode hardcore, mais c'est très doux. Ça s'enlève tout seul et la peau reste hydratée. Donc top, top, top ce toner finalement. J'aime, je cherchais vraiment un exfoliant et en format toner comme ça. C'est juste, je voulais pas des grains, genre un exfoliant avec des grains. Mais ça, c'est tellement magique, finalement. Je valide. Maintenant, on va appliquer le Daily Serum. Il est comme ceci. Hop. Hop. Ici, je n'ai pas mis. Hop. En petite quantité. Son odeur, elle est très proche de celle du Mom Nettoyant. Du coup, j'aime beaucoup. Il y a toujours cet esprit de spa, de bien-être. Oh là là, et la texture. Elle est onctueuse. Oh là 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 là. Elle s'applique très 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 bien. Ni trop grasse, ni trop fluide. C'est juste ce qu'il faut. Et elle est vite absorbée par la peau. Ah, c'est un bonheur. Après, bon, le toner, comme je vous ai dit, il a une drôle d'odeur, mais je pense que c'est lié aux acides qu'il y a dedans. Il y a quand même 5 acides dedans. Et voilà. Ah, le bonheur. Donc voilà tout. On a testé ces 3 produits. Comme pour un crash test, je suis très emballée. Je ne sais pas si vous le remarquez, je sens que déjà, il y a une petite lumière qui vient sur mon visage et il est très très souple, hydraté et surtout, il sent le bien-être, le spa, je sens que je sors d'un institut de beauté là. Donc voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais vous mettre en barre d'infos mon lien vers... je commande directement sur le site Révolution. Je trouve que les prix sont plus attractifs et il y a un système de fidélité pareil. Il est très intéressant. Si vous commandez, vous êtes accro au skincare et make-up. Donc vous allez trouver votre bonheur à un prix très 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 intéressant. Et il y a toujours des soldes, il y a toujours des offres. Par exemple, vous achetez... deux, vous avez le troisième gratuit, donc c'est très intéressant. Je vous mets aussi mon lien de parrainage. Vous avez un petit plus aussi avec mon lien de parrainage, mais regardez-moi cette lumière sur mon visage. C'est franchement, je trouve ça flagrant quand même. J'ai l'habitude de voir mon visage le matin, et là, juste après cette routine, bah, je suis conquise. Voilà, je remercie Sally pour cette belle collaboration. Maintenant, vous savez qu'est-ce que ça donne. Si jamais ça vous tente, vous avez tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous aime.